Denise et Roderick. Les deux stagiaires, là? Ouais, les puceaux, là. Concours des 80. Julien, voiturette. Delphine, parcours sup avec Sylvain et Denise. Ludivine, sortie en discothèque, Ibiza. Sandrine, Didier et Raoul. Saint-Valentin, avec un poney, poney. Oui, alors, on voit beaucoup de spectateurs qui sont pas abonnés. Et c'est dommage, vous loupez des vidéos. Mon petit conseil, abonnez-vous, cliquez sur le bouton. Vous avez la petite cloche de notification Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Vous pouvez même aller sur Utip pour regarder la vidéo Tipeee si vraiment vous êtes en largesse. Moi, ça me fait des vues, des abonnés, je suis hyper content. Ça me fait aussi de l'argent. Quelle indignité. C'est bien le cabinet de Jean-Michel Blanquer. Ça dépend, c'est pourquoi. On avait réunion à 8h là, sur la mise à jour de Parcoursup. On avait prévu une activité Zumba ce matin. Le mieux, ce serait 14h. C'est incroyable. Bon, vous venez là, vous faites quoi? Mais il est déjà 14h là. Mais c'est fou que ça passe vite quand on s'ennuie pas. Je vous fais la note dans 2 minutes. Bon, vous maniez le cul, tout le monde attend votre bilan là. Ouais, bah c'est bon, j'ai pas fait exprès là. Vous êtes retourné à Ibiza? Ça va. Vous vous foutez de moi ou quoi? On arrive à la fin du quinquennat et vous allez nous foutre en l'air le bilan. Quel bilan? Bah tout ce qu'on a fait pendant 5 ans. L'augmentation du point d'indice pour les profs, l'arrêt des maths en première, l'inclusion, les protocoles Covid. Bon, et ça va, on vous a pas demandé de bosser sur le sujet, non? Mais faut savoir aussi. Sur l'orientation, qu'est-ce que vous avez? Bah si, mais moi j'aimerais bien aller au ministère de la Santé après si c'était possible. Mais pas sur ça, sur l'intégration de la feuille d'orientation dans Parcoursup. Je l'avais mis sur mon front parce qu'il y avait beaucoup de soleil et puis impossible d'en remettre la main dessus. Elle s'est envolée? Oui, elle a dû s'envoler avec le vent, je la retrouve pas. Vous avez rien bossé? Si. Mais on vous avait interdit l'accès à Ibiza. Votre avion, il est cloué au sol par ordre présidentiel. Comment vous êtes allé là-bas? Bah, j'ai loué une voiturette. Alors du coup, j'ai pris mon temps pour descendre. C'est vrai que je l'ai fait en 3-4 étapes. Mon réchaud et puis une casserole, comme ça j'étais pas embêté. Je suis passé par plein de départements super sympas de notre chère France. Mais vous êtes passé par où? L'Ardèche. C'est des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois dès le 4. Merci. Après, je suis passé par l'Aisne, un peu comme un chirurgien. Je suis pas passé dans le Doubs, parce que dans le Doubs... Abstiens-toi. Je suis pas passé par l'Aude, c'est une ex. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ça me dérange pas de claquer de la thune, dans le Cher. Est-ce qu'on peut travailler ou... Oui, pardon. Qu'est-ce que je vais annoncer au secrétaire général? J'aimerais bien aller avec le futur directeur de la santé. Faites suer avec ça. Demandez. Je l'appelle et puis comme ça, on passera à autre chose. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que vous approuvez la mutation de Gaillard à votre cabinet? Non, franchement, je m'en fiche. D'accord. Mais alors, ça m'indiffère. Merci monsieur, je vous dérange pas plus longtemps. C'est bon, il a dit oui, il est ravi. Mais je vais venir annoncer directement, moi, à la conférence de presse. Non, mais attendez, vous n'y pensez pas, là. Rarement, pourquoi? Ben, parce qu'il faut qu'on relise en premier ce que vous allez proposer. Et puis, si vous êtes positif au Covid, en plus... Non, m'attendez pas pour l'apéro quiz. Vous êtes allé en boîte à Ibiza? Ouais, ça dépend ce qu'on appelle une boîte. Vous foutez pas de ma gueule. Moi, je me suis dit, si c'est ouvert, c'est forcément que c'est sécure. Et vous étiez tout seul? Ouais, bah, j'y suis allé avec Casta. C'est pas le dernier à embrayer. Mais vous avez pris vos précautions quand même. Casta, il avait pris le pass de Jean. Et puis, bah, moi, j'avais mis un masque. Vous avez mis un masque en boîte de nuit? Ouais, j'ai mis ce masque là, j'embrasse pas, et puis dès que les filles elles approchaient, hop, je vais retourner. Il y avait une flèche pour indiquer C'est bon, merci. Vous étiez nombreux là-bas? Casta, il y avait moi, et puis il y avait Denise et Roderick. Les deux stagiaires là? Ouais, les puceaux là. De la relation presse? Ils ont eu l'idée de sortir en boîte ensemble le jour de la Saint-Valentin, tequila sur tequila. Ils ont drogué un poney avec du GHB, Paco El Caliente. Et ils sont rentrés avec. Alors apparemment, ils ont essayé de faire des trucs avec le poney. Vous rigolez, c'est quoi ce délire? Je peux pas vous le dire dans les détails. C'est un vrai poney? Il ressemble à ça. Mais il est grand. Oui, il est grand, ouais. Ah bah Denise, elle a été rapatriée en hélicoptère. Hein. Une catastrophe? Non, parce que comme ils disent, zéro tracas, zéro blabla, il y aura pas de fuite, hein, logiquement. Faut le voir comme un team building. On annonce quoi à la conférence de presse, là? Quand on a rien à dire, on fait comme d'habitude. On n'a pas bossé le sujet, j'ai rien à dire. Vous avez vu le nombre d'immigrés qu'il y a en ce moment, là? On l'a déjà dit la semaine dernière. Sur le port du voile, vous trouvez ça normal? Que les étudiants ils fassent du sport avec le voile? Si on veut avoir des médailles olympiques, c'est pas comme ça que... Faut alimenter, faut remettre ça dans la machine. Vous êtes un génie. Ça fait 5 ans que je suis là. Je sais même pas quel point d'ailleurs. Le point des profs. Le VAR, ça nous parle. Les jeunes, les cigales, ça chante. Attends, t'as oublié la réplique. Ah si, j'aimerais bien aller au ministère de la Santé. Quelle orientation? 3, 4. Attends, non, on va faire l'inverse. On va faire l'inverse. D'accord. Ça va être plus drôle. Ah pardon, vous voulez juste les deux puceaux de la relation presse? Non, c'est bon. Attends, deux secondes, tu vas vite. Mardi, vous l'aurez, c'est certain. J'ai juste 2-3 chapitres à revoir, à peaufiner. Mardi, hein, y a pas de problème. J'y vais de suite. Mardi, vous l'aurez mardi, sans faute.